L'Évangile nous invite à servir le Christ, le suivre et, au final, à nous détacher de notre propre vie jusqu'à accepter de la perdre. Mais de la perdre par amour pour donner du fruit en abondance. Ouvrons notre cœur à Dieu et ne nous lassons pas de demeurer dans son alliance. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Messe d'action de grâce pour Magali Fanor, Révérend Père Johnson Pierre, Giralda Germain, Solange Conseillon, McIntosh Joachim, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous prions pour Esther Présumé, Dr. Marie Margaret Delimas, l'équipe de basketball de la Sogebank, Junior Germain, Marie-Laudie Duquered et famille, Muriel Petit-Frère, Olivier Percé, Émile, Fritz Eugène Barthélemy. Nous prions pour notre sœur, Joudly Delia, pour chacun et chacun de nous ici présents, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de cette communauté. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le chemin de la glorification évoqué par l'image du grain de blé symbolise Jésus lui-même, qui est la vraie lumière. Marchons avec lui, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des fils de lumière. Cette alliance nouvelle, annoncée par Jérémie, est aussi éternelle. Elle est de tout temps. Cette alliance accomplie en Jésus-Christ, mort et ressuscité, est une et multiple. Elle est encore d'aujourd'hui. Seule la grâce de Dieu pourra purifier notre cœur et en faire une demeure agréable, nous dit le psaume 50. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Jésus, sauve-nous. Livrez aidez-nous dans misère à vivre jodia. Parce que, laissez vrai modèle l'amour sans pareil. Là. Témoignage li révélez-nous, source délivrance nous. En nous écoutez. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur,
où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi. Fermi au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. D'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égards. De la lettre aux Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Parole au grand maître. C'est la vérité,
si nous coûtions, la vie n'a changé. Parole ou grand-mère, c'est la vérité. Si nous coûtions, la vie n'a changé. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Parole ou grand-mère, c'est la vérité. Si nous coûtions, la vie n'a changé. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordaient Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perde. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, téléspectateurs, après avoir célébré dans la joie le quatrième dimanche de carême, appelé dimanche létharé, dimanche qu'est content, et aujourd'hui, en ce cinquième dimanche de carême, nous sommes à nouveau rassemblés malgré la situation délétère que connaît le pays pour écouter la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie, sommet de toute vie chrétienne. Ce matin, Jésus utilise l'image du grain de blé pour nous enseigner sur le mystère de sa mort et de sa résurrection, et sur ce que cela signifie pour nous en tant que disciples, missionnaires, baptisés. Si le grain de blé tombe en terre, meurt, nous dit ce Jean, il porte beaucoup de fruits. Jean 14, 20, 33. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures bibliques qui nous sont proposées en ce cinquième dimanche de carême sont une nouvelle clé qui nous aide à mieux entrer dans l'esprit du carême. Oui, depuis le mercredi des cendres, nous avons entendu des appels très forts. Les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême, frères et sœurs bien-aimés, est un temps favorable, nous dit le pape François, pour rentrer en nous-mêmes. Il y a tant de prières, il y a tant pour méditer, il y a tant pour entendre bon Dieu qui a parlé avec nous. Le prophète Jérémie annonce ce matin à ce peuple déporté à Babylone, sans temple, ni roi, ni prophète, que Yahvé va faire avec lui une nouvelle alliance. Peuple ça, moi remel, l'inakem, moi c'est bon Dieu pour lui, et lui c'est peuple moi. C'est peut-être ça, psaume nan mandé nous matin, pour ne pas fermer que nous, mais pour nous ouvrir, pour nous entendre parole, bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'est pas seulement créateur, il est libérateur et sauveur. Son salut est offert à tous, ici et maintenant. Il ne suffit pas de faire mémoire de ces merveilles d'autrefois. Non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Il est toujours là pour nous sauver. Bon Dieu, c'est sauveur. Notre Dieu n'est pas changé. Non. C'est ça, pape Jean-Paul II t'a dit pendant tout passage dit comme pape. Dieu reste celui qui veut sauver le monde. On n'y est pas qu'à changer, bon Dieu, parce que les fidèles, les capables fait fleurir. Dans désert la vie chaque monde, dans désert la vie chaque famille, dans désert la vie peuple haïtien, fleur qui pas jamais fini. La fête de Pâques n'est pas seulement, frères et sœurs bien-aimés, celle de notre libération passée, c'est aussi celle de notre propre délivrance par un Dieu qui sauve et pardonne. Bon Dieu, pardonnez-moi.
La deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux décrit ce qu'ont pu être les sentiments de Jésus en voyant venir la croix. Sentiment pour l'abandonner, sentiment d'obéissance à papa le tout. Le texte de la lettre aux Hébreux ne peut être plus clair ce matin. Bon Dieu qui sait, bon Dieu la vie, by petit lia qui fait tout le monde, dans la prière et supplication avec bon Dieu, sauver toute l'humanité grâce à mourir, les mourir sous la croix pour le cabane la vie dans obéissance li, cause du salut éternel. Il y a un bel texte que nous allons lire encore, l'enrivé, la caïno. Frères et sœurs bien-aimés, comme un grain de blé doit être enterré dans la terre et mourir pour porter du fruit, nous sommes appelés à renoncer à nos propres désirs égoïstes et à notre volonté pour suivre celle du Christ. C'est bon Dieu nous doit suivre. C'est lui-même nous doit tendre. Comme le grain de blé traverse des moments de lutte et des souffrances avant de porter du fruit, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, souvent amenés à traverser des épreuves qui nous permettent de grandir dans la foi. Frère Axemio, même Jean a qui ont grain de blé, l'évangile dit, qui doit tomber dans terre, après être mort dans la terre, émerge sous forme de tige verte et produit une abondante mission, nous sommes appelés à participer à la résurrection du Christ. Frère Maximio, Julia, c'est avec nous Jésus a parlé. C'est avec nous Jean dressé texte. C'est avec nous l'évangile et texte aujourd'hui parlé. Nous sommes donc frères et sœurs bien-aimés, tout chacun par notre baptême considéré comme un grain de blé dans le jardin de Dieu. Tout le monde, sans distinction. Mais question que nous devons poser tête nous matin, qui fruit que nous capables porter pour Jésus? L'amour, la paix, la joie, la charité pour transformer le monde. Ça. Et qui ça nous pas doué porter comme chrétien? Jalousie, méchanceté, l'orgueil, hypocrisie, la haine, li fait l'autre la souffrir en pile. C'est ça nous pas doué porter. Jésus pas tant ça nan men nou. Mais l'abtenir l'amour. C'est peut-être ça, frère Maximio. L'amour Jésus abtenir dans mes noms, c'est un amour qui passe aussi totalement de nous, mais nous apprendre qu'on est. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour vrai ne se vit pas à moitié ni aux trois quarts. Il prend l'homme dans sa totalité. Le vrai amour engage le cœur, l'âme et l'esprit. Pas gen l'amour qui mousso, gen l'amour total. Yon l'amour qui mousso, c'est yon l'amour de jour. Yon l'amour qui mousso, c'est yon l'amour yon semaine. Yon l'amour qui mousso, c'est yon l'amour papadap. Yon l'amour qui mousso, c'est yon l'amour laboula. Yon l'amour qui mousso, c'est yon l'amour konyan. Mais le pas après. Bon Dieu, c'est yon l'amour éternel. Frère Maximio, Jésus lance un appel à la transformation personnelle. Il nous invite
à le suivre sur le chemin de la croix, à mourir à notre ego. Attaché avec Jésus, fais-le tourner vraiment, s'allier dans la vie nous. Pas quitter Jésus pour rien. Accepter vivre avec elle, parce que c'est lui-même qui mourit sous la croix pour nous. Matin, Jésus veut prouver nous, l'amour qui gagne pour nous, c'est un amour sans pareil. Lui changer cœur, lui changer la vie, lui bailler la vie, lui sauver, l'aider, soutenir et bailler force dans faiblesse. Frère Maximio, nous pas besoin long dans homélie nous matin, mais moi voulais résumer homélie ça avec seulement phrase ça que m'bral dia et m'voulais nous chaque nous tourner la caille nous avec pendant toute semaine et méditer avec. Nous même tout qui a regardé sous téléa, moi voulais bay phrase ça sens li avec nous et pour nous pour pendant toute semaine nous méditer et moi même tout moi méditer avec phrase ça. Tendez bien, frère Maximio, en bon créole. Chaque ou bien dans chaque situation difficile pour un chrétien, toujours gagne une bénédiction qui est possible. Vous y êtes? Dans chaque situation difficile, un chrétien à vivre, toujours gagne une bénédiction qui est possible. On dit ça ensemble dans la foi. Dans chaque situation difficile, yon chrétien à vivre, toujours, gen yon bénédiction qui, konyan, moi mè ça, di moun ki bon koto la ça, pou l'ba jamblie ça, jodi ya. Dans chaque situation difficile, yon chrétien à vivre, toujours, gen yon bénédiction, ah, m'baton de nous, toujours gen yon bénédiction, toujours gen yon bénédiction, on bat bravo pour Jésus. Est-ce que Père a baï menti? Est-ce que Père a baï la vérité? Oui. Dans chaque situation difficile, yon chrétien à vivre, toujours gagnons bénédiction qui possible. Bat bravo pour Jésus. C'est vrai. Matin, Père, grâce à l'évangile, Jésus qui dit nous qu'a mourir et souffrir, mais n'a pleuvé, pas contre ça va vivre, mais dans ça va vivre là, pas jamais oublier ça. Gagnons bénédiction qui possible et cause de bénédiction ça possible dans sa vivre comme situation difficile là bon Dieu pas blago parce que bénédiction c'est en l'aile sorti. Vous y êtes? C'est ça lié. C'est ça lié. Et me penser ou faire expérience là déjà frère Maximio dans chaque situation difficile yon chrétien à vivre, toujours gagnons bénédiction qui possible. Et moi-même personnel, je fais expérience là. Gédez-le, gédez bagay fol, rive pour qu'a jouen bénédiction ou ap cherché. Li pas arrivé parce que mon Dieu est méchant, non. Et c'est ça que fait petit là qui mouille sous quoi. C'est pas méchanceté mon Dieu, mais c'était projet même pour sauver l'humanité. En pile froid dans sa wa vive qui fait de l'eau sous dans yo là li gen la dans yon bénédiction. C'est peut-être ça frère Maximio. Après nous fin noter phrase ça pour finir avec moi vle mande nous matin dans chaque bagaille wa vive que c'est pas ou même qu'al chercher mais ces situations ou bien yon bagay qui met la dan sans propre volonté ou, mais qui font souffrir yon seul mot pour dire merci bon Dieu. Qui mot père a dit nous matin? Ou bien nous te ka utiliser même parole la Vierge Marie pour nous dire Seigneur que ta volonté ou fini. Ou fini. Et fini à homélie aujourd'hui comme ça. Seigneur, que ta volonté ou fini. Pour qui ça? Parce que dans chaque situation ou à vivre comme chrétien, toujours gagnons bénédiction qui possible.
à cause des bénédictions ça les wap vivre li qui sont dit merci à nos pas sous ça merci ou ka goutte l'eau kap nan zyo mais est-ce que c'est ou ka chercher de l'eau ça non mais à cause de l'eau ap sorti ou pas ka venger mais ou dit ou ka privé d'un bagay que ou ap chercher mon poko joine ni mais ou connaît nan souffrance ça bon bénédiction possible qui sorti ou ka perdu un bagay qui te cher pour ou mais à cause c'est pas ou même qui faut perdre qui sort qu'a dit est-ce d'accord yo ka meton nou situation difficile pour yo wè sou ka sorti parce que toujours vin l'église yo besoin wè si bon dieu w'ap servi a l'a délivré ou crié ou fâché mais qui sort qu'a dit ça va ou ka sorti que faible ou bien n'importe qui s'en monte gagné laisse ça t'est bon tout le monde est tout haut laisse ça marcher ou donc pile zami mais machine de descendre la caillou en pile sirène en pile monde de bonne valeur et jodi a ou commencer à descendre pour raison mais y aller qui sont qu'a dit ça fait garder yo bon dieu là monde qui pour là li là ça peut a dit ou fini. Et ma prédit, et c'est à moi ça m'a fini, parce qu'elle n'a pas écrit, et me fait mes feuilles là, pour me garder. Ça fait garder ça qui vient dans la vie, qui fait me souffrir, parce que je connais ces chrétiens, les gens qui sont là, les là, n'importe qui monde qui pas là, ça fait garder, mais les gens qui sont là, depuis les gens qui sont là, je me garantis dans la situation à vivre là, bénédiction est possible. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever pour déclarer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Frères et sœurs bien-aimés, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus présente, afin que l'univers entier bénéficie davantage les richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Sur ton amour, éforme notre foi. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église. Qu'elle demeure le signe du pardon et de la miséricorde dans le monde. Avec le pape, les évêques, les prêtres, les diacres,
et les personnes de vie consacrée. Seigneur, nous te prions. Et forte notre foi, Seigneur, nous te prions. God our Father, we pray for our dear Haiti, torn by violence that multiplies. Guide the political and social economic leaders of this people on the path of reconciliation and peace. God of mercy, we beg you. God our Father, we pray for all those in difficulty, for the sick, for the poor, riddled with social economic leaders of this people on the path of reconciliation and peace. God of mercy, we beg you. For the young God our Father, we pray for all those in difficulty, for the sick, for the poor riddled with debt, for the young unemployed without hope, for all those who are plugged into failure. Join them in their distress. You who are the resurrection, free them for their confinement. Let us implore the Lord. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Enlève dans le cœur de chaque membre toute trace de haine, de jalousie ou de mépris et fais grandir en eux la joie d'être pécheur, aimé et pardonné. Seigneur, nous te prions. Dans chaque situation difficile pour un chrétien, il y a une bénédiction possible. Personnellement, parler avec bon Dieu matin. Ou bon bagay ou à vivre. Ou bon bagay qui est bon problème. Ou bon bagay qui fait souffrir. Ou bon bagay qui bloqué. Ou bon bagay qui fait cœur pas content. Ou bon bagay pour vous sont déception, mais pour bon Dieu, laissez un commencement délivrance. Ou bon bagay qui fait yori. Mais pour bon Dieu, c'est un bagaille qui fait le prend pour jour la plus sérieux toujours et puis vite. Ou qu'on bagaille qui faut bouquer. Ou qu'on bagaille qui bon stress. Ou bon bagay qui voulait faire tête au parti. Ou bon bagay qui faut pas qu'à dormir la nuit. Que ou pas capoter pour quoi, non? Ou bon bagay à chaque fois ou pensez avec l'opposé tête aux questions, est-ce que c'est vous-même? Ou bon bagay
qui fait que vous allez docteur chaque jour, mais docteur n'a pas même ouais maladie ou gagné, non? Ou qu'on bagaille qui plus que yon croix, qui gagne deux mots sous bois que vous apportez sous dos, mais ou pas capoter encore, ni loup trop pour. Ou qu'on bagaille ou à vivre, qui faut poser tête aux questions, qui dit, hey, bon Dieu, koto. Ou gon papier qui bloqué, qui besoin si longtemps. Ou gon bonne nouvelle ou aptan, ça fait des années. Ou gon moun qui dans situation difficile, on pitié ton mari. Mais connaît l'impossible pour vous même, mais l'impossible pour bon Dieu. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Exauce nom Dieu Tout-Puissant et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louerons et sans fin nous proclamons. Grand maître, c'est vous qui êtes tout bon et tout ça qui est saint, c'est dans vos lits sortis. Mais nous rassembler les vents pendant nos feuilles, avec toute l'église, nous célébrer jour côté Jésus-Christ, grand maître là, te lever bien vivant, saut pas mi moyo. Papa voili qui chita à droite, nous avons la prière, t'en prie, fais l'esprit, mettez cadeau ça yo à papa, comme ça, c'est pour avantage nous. Y'a tourné corps, accent, Jésus-Christ grand maintenant. Le Jésus a accepté souffrir pour propre volonté pâle, jour trahir là, libre en payant, li dit ou merci. Li cassel by patisan lio, li dit yo, prends. Manger la dans nous toutes, réellement vrai, ça, c'est comme moi, ma baille. Pour nous, Jésus. Même j'en tout, l'œil au fin manger, libre calice là, l'étonne dit au merci, libre et patis en lieu, l'idio. Prends, bois la dans l'eau toute, réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans nouveau contrat qu'il a pour tout le monde. C'est ça qui prend le couler pour nous, pour tout le monde, pour pas donner péché. Fais ça pour nous, songez-moi. Jésus.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, spécialement Monseigneur Dumas, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de cette communauté, auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Sacré-Cœur, chaque monde qui demande pour nous la prière pour eux. De façon spéciale, Magali Fanor, Révérend Père Jameson Pierre, Géralda Germain, Solange Cousséan, Macintosh Joachim, nous prions pour notre sœur Joudli Delia. C'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu vide sous yo, toute grâce yo besoin pour continuer à célébrer fête yo. Nous prions pour Esther Présumé, Docteur Marie-Margaret Delimas, l'équipe de basketball de la Sogebank, Junior Germain, Marie-Loudy Duquerette et famille. Nous prions pour Muriel Petit-Frère, Olivier Percé, Émile Fritz Eugène Barthélemy. C'est pour bon Dieu béni. Et nous la prions pour Corala qui a célébré ensemble avec nous, nous chanter des chants pour bon Dieu. Et tout l'autre monde qui a célébré fête, c'est pour bon Dieu béni. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, unis dans le même esprit, ce matin, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets jamais que j'aie le malheur de me séparer de toi. Amen.
prière rédigée par Saint Ignace de Loyola. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici les annonces du dimanche 17 mars 2024. En raison des circonstances actuelles, nous sommes au regret de vous annoncer que la troisième édition de la foire traditionnelle des servants de messe, Ekoum Patché, ne pourra pas avoir lieu cette année à l'église du Sacré-Cœur. La sécurité de chacun est notre priorité. Nous espérons pouvoir organiser cet événement l'année prochaine. Nous vous tiendrons informés des prochaines activités. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Recommandez le 31 du mois de mars, mois de Saint-Joseph, qui se fera à la messe de midi. Demandez à Dieu la réunion des familles disloquées et surtout le retour à l'engagement paternel pour les pères déserteurs. Les non considérées situations insécurité qu'a développé dans la zone, ajoutez à Cléa qui vient changer, Sakiran Fidelio puis inconfortable pour yo déplacer. Comme ça, que les G paroisses là, dans tête collée avec comité litigia, décider suspendre messe samedi soir à dimanche soyo, en attendant, et puis qu'un seulement des messes. Dimanche matin, yon a cité, yon l'autre à 9h. Et puis yon seule messe la semaine, à 7h, et puis à midi. En raison de manque d'effectifs de couples inscrits, la pastorale du mariage annule la journée d'échange et de partage qu'elle avait planifiée pour ce 17 mars. Mais ce n'est que partie remise. Les 4 couples inscrits sont priés de nous excuser dans l'espoir d'une nouvelle occasion plus opportune. Le chrétien catholique est recommandé chaque année de faire sa Pâque. Ainsi, dimanche prochain, la bénédiction des rameaux se fait au parking de l'église à 7h, avant de partir en procession pour la messe. Les fidèles sont invités massivement à y prendre part. La retraite pascale se tiendra du lundi 25 au mercredi 27 mars, chaque après-midi à 4h p.m. Maintenant, les personnes qui célèbrent un anniversaire sont priées de s'approcher pour la bénédiction du prêtre. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est beau bon Dieu béni. 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 Bon Dieu qui baille la vie, bon Dieu qui sauve, bon Dieu qui guérit. Je dis à mes petits tout yo cap célébré qui d'ap célébré yon fête bien spéciale dans la vie yo. T'en prie. Vide sou yo grâce et fait yo connaît. Dans chaque situation difficile yon chrétien vive, gen possibilité là dans tout pour yo joindre bénédiction
parce que bénédiction c'est vous-même même depuis vous fort confiance. T'en prie. Fais maman Marie que vous banon comme maman dans pied la croix. Vropez vous en bas manteau grâce. Fais Saint Joseph que vous banon comme papa. Toujours la prière pour vous. C'est pour vous rester dans le cœur sacré petit toi. Et je dis à même dans l'église, je quitte yo avec bénédiction. Bon Dieu, papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Nous pas prêter en pile, mais après bénédiction, nous disons merci à un fidèle qui a un cadeau pour chaque monde qui a célébré. Mais comme après bénédiction, fête un cadeau, dimanche, si un monde qui a célébré, t'en prie, tout marché à de naissance nous, pour nous dire si nous avons célébré vrai. Parce que y a un monde qui a tout profité, vient pour un cadeau. Marché avec de naissance ou bien une pièce pour nous dire tout bon vrai si c'est jour fête là. Nous avons un cadeau pour tout le monde, mais il faut que vous prouviez qu'on est que vous faites dans le mois, dans la semaine, vous fêtez parce que c'est des médailles, belles petites bagailles, ça dit. Tout le monde qui a célébré, nous n'avons pas un cadeau comme ça. Hein? On quatre, ou bien avec des naissances, là bon, et c'est avec vous, nous avons un cadeau. Mon père, mes dates là, mes cadeaux. Merci. Nous n'avons pas un cadeau comme ça. Nous voulons dire merci en pile. Pour la foi nous. Nous voulons dire nous merci en pile pour ça nous pour Sacré-Cœur. Moi voulons dire nous bagaille matin. Hein? Nous aimons Sacré-Cœur en pile lui. Mais Sacré-Cœur aime nous tout. C'est peut-être ça frère Maxomio. Moi t'ai inspiré des paroles ça matin pour me dire nous dans chaque situation difficile yon chrétien à vivre gain bénédiction qui possible. En danse à la vivre là. Pas jamais oublier parole ça. Ouais. Gede bagay wap vive, konnen en danse à wap vive qui fait de l'eau saute dans yo là, gon cœur content en vérité la dan. Et c'est vrai. Et leur jeune bénédiction, pas pousser corps avec nous, seulement dit merci bon Dieu. Wap jouen encore parce que petite maman Marie pas jamais perdu bataille. Petit Sacré-Cœur, pas jamais perdu. Et c'est ça que fait. J'ai la foi. Et je crois dans lui. Et je ne peux pas mourir sans Bawel. Dans la souffrance du pays d'Haïti, il y a une délivrance pour toute nation là-dedans. C'est vrai. Je crois dans ça. Et si je ne peux pas mourir, bon Dieu a fait. Rete, il faut que Haïti ça. Parce que depuis que je fais beaucoup de belles bagailles là-dedans. Ouais. De 80, je manque de dilemme fait. Yo t'ap tann dat pè a fèt, wè. Et sel bagay a isse pa jam reme bay, non? Eh, m'pap bay dat la, baba, eh. M'ka bay joua pou n'ka mom kado, men m'pap bay dat la, eh. Men preske gen 40 ans, wè. Eh, m'preske gen. Nan, 4 ans, eh ben m'bay dat la. Pardon. Tene, y'a pa presa, non? Oui, c'est vrai, frère Maxomio. Merci pour la foi, nous. Kebe fèm. Pas bouquet, pas 6 semaines, la prière. Nous voulons faire nous connaître rapidement pour nous voir nous aller tout de suite. Samedi 23 à 10h dans le matin, il y a un groupe dans la paroisse là qui porte le nom Légion de Marie, mais spécialement HIS, que nous connaissons très bien pour les gens qui sont dans la Légion.
y a une messe que y a célébré pour dire bon Dieu merci à 10h samedi 23. Si y a monde qui est capable, nous capable venir participer, si n'a kay nous, venir dire bon Dieu merci avec yo. Pas oublier que neuvaine Saint Joseph l'a continué, pas bien messe à 10h jodiya. Nous tout fait messe là et ça fait nous faire prier Saint Joseph. Nous a fait neuvaine Saint Joseph demain à midi, mais n'a célébré en grande pompe fête Saint Joseph solennellement dans la paroisse là mardi 19 à midi sous la caillou. Ou pas trop occupé, d'ailleurs pas trop occupé pour mon Dieu, vin di Saint Joseph continuer la prière pour nous. N'attend nous à 11h, n'a fait chapelet à midi la messe et bon dit bon Dieu merci. Vin la prière, pas bouquet. C'est seule force que vous gagnez pour nous tous dans la prière. Et j'en détendé à semaine 7 n'a pas arrivé dimanche à bien bénédiction Rameau. Moun ki vina machinyo, y a fonti ki tel de yo, c'est sous parking nan, nan parking nan, ap fè bénédiction Rameau à 7h et à 9h. Et après, pour la messe, yo continue célébrer, Jean, yo kon célébrer. Lundi prochain, mardi, mercredi, c'est retraite, nan paroisse la, à 4h, nap tan nou tout, mais nap en direct sur radio, télé, Sacré-Cœur. Et jeudi, nan va di nou à ki lè messe la biye. Vendredi, chemin de la croix, pas fête dans la rue. La fête dans l'église là et samedi est-ce que n'a fait messe à minuit 10h 4h dans l'après-midi n'a pas dit nous on suive on pause nous pas qu'à parler et fête par là a toujours gain deux messes il y en a 7h il y en a 9h pour protéger nous parce que l'aime d'aller la caille noire 6h30 pour David dans messe là il fait noir n'obligé mais deux messes il y en a 7h il y en a 9h. Merci pour compréhension nous. Merci à nous chacun et à nous toutes. Nous pas besoin de dire merci, seulement dire merci à équipe radio télé Sacré-Cœur. Messieurs dames, merci. M'gonne ça n'apprend, m'gonne ça n'vive. Mais toujours qu'on est dans chaque situation qui est difficile, toujours gagne bénédiction là-dedans. Non, pas bravo pour vous pour nous dire merci parce que c'est grâce à vous qui fait radio télé Sacré-Cœur en l'air et vous font bel travail. Si monsieur Kembela, moment difficile mais nous bal belle image. Réalisateur, merci. Et à partir de l'autre semaine, nous allons changer cravate et ça seulement paye à Cabano, pas de cob. Hein? Et cravate, nous allons faire. Vous comprenez? Vous travaillez en pile, lui. Vous méritez pour nous faire un petit chocho, mais pas de rien. Si le pays est bon, nous avons des parrains avec marraines. Nous avons même des tout là dans le tout parce que nous avons des parrains. Nous avons des parrains avant parrains, monsieur. Dans le temps de dire, si vous avez bien goûté graisse. Comme pas d'ajeune deux trois marraines, deux trois parraines pour nous. Hein? Nous t'attendons les Léonènes. Merci à Bill, à nos chacun, à nous toutes qui te permettent que Messa, les est capable belle comme ça. Mais ne pas oublier Frère Kenyo qui est toujours là. C'est devant l'hôtel, yo, ministre de la Sainte Communion. Yo. Tout le monde à la ronde, badé, merci. Mais nous pas capable de dire merci avec Gospel, c'est ça? Oui? Merci, Koala. Nous bien chanté. Moi, méchant. De remerciement. On bat bravo pour yon. Yo bien chanté, hein? Bien chanté. Bien chanté. Faut tirer pour payer, non? Nous fâchés, ça n'y est. Nous pouvons boire café. Yo bien chanté chant. Mais maestro, merci, nous tous deux. Nous bien joué tout. Nous jouons même j'avais. Merci. Merci beaucoup. Gon moun qui dit si m'gon joué. Oui, m'gon joué. M'gon joué. Frère Maxime, yo, on kapé koulé ya pour que nous fassions prière à Saint Joseph et ensuite pour nous recevoir bénédiction pour aujourd'hui. Saint Joseph, maestro. Saint Joseph, Saint Joseph, modèle des travailleurs et patron de l'Église universelle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Saint Joseph, enseignez-nous l'amour de notre métier. Faites qu'il devienne pour nous une source de vitalité et de bonheur. Confiant en votre intercession, nous vous formulons notre demande. Saint Joseph, priez pour nous. 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 Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chaque monde nous joigne, bal message ça pour moi, s'il vous plaît. Dans chaque situation difficile que un chrétien a vivre, il y a une bénédiction qui est possible là-dedans. Bonne journée, bon travail à nos chacun et à nous tous. Merci. Thank you.